Et cet après-midi, j'aimerais vous parler en particulier de la manifestation principale que le Canada organise cette année en partenariat avec l'Institut. Il s'agit d'une mini-rétrospective du film de Denis Arcand, qui est un de nos plus grands cinéastes québécois et donc canadiens. Mini-rétrospective parce qu'évidemment, il a fait plus que trois films, mais comme il fallait tout entrer dans une journée, on a choisi ces trois films principaux, je crois, même si bon, certains regrettent que J'ai vu de Montréal n'y soit pas. Mais donc, nous présenterons Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2004, et La chute de l'Empire américain, qui est un peu la suite des deux premiers, qui est son film le plus récent, qui n'est pas encore sorti en Hongrie. Les présentations auront lieu dans cette salle, donc j'espère vous y voir nombreux, le 23 mars à partir de 11h, je crois. Et tout ça, ça pourrait vous donner un peu faim. Et donc, nous aurons également un partenariat avec le Café Dumas. Et donc, le 23 mars, le Café Dumas présentera un menu spécial sur le thème de Montréal, avec des bagels au saumon fumé, des sandwichs à la viande fumée, le fameux smoked meat de Montréal, ainsi que pour le dessert, les fameuses crêpes au sirop d'érable de M. Pinter, et pour les plus courageux, à un moment ou à un autre de la journée, une bonne poutine. Alors, je vous encourage à venir découvrir ce que c'est la poutine du Québec. Donc, voilà. De nouveau, j'espère vous voir nombreux le 23 mars. Merci.